Le Cameroun a été invité par la Côte d'Ivoire pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de floorball. Cette compétition s'est tenue du 14 au 17 septembre 2023 et le Cameroun a eu à participer de manière brillante, je vais dire, parce que nous avons eu le trophée du meilleur joueur de cette compétition. Nous sommes sortis quatrième, on a été éliminés en demi-finale. Nous avons perdu notre match de classement. Nous avons joué contre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina et le Kenya. Nous avons eu le trophée du meilleur joueur. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce qu'en réalité, c'est notre première participation, notre première sortie. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli ce trophée de Best Player. Nous voulons simplement, à l'issue de ces Jeux, demander aux athlètes de s'engager davantage pour que, à la prochaine compétition, que le Cameroun monte sur le podium, au moins en deuxième ou du moins troisième place. Hein. Pourquoi pas la première place, que nous ramenons le trophée dans notre pays. Donc nous allons davantage encadrer les enfants, nous allons davantage vulgariser le floorball au Cameroun pour que les prochaines compétitions soient les meilleures. Déjà, le Comité national olympique et sportif du Cameroun a reconnu l'Association camerounaise de floorball comme étant un membre à part entière des différentes fédérations qu'il reconnaît. Du coup, le Comité national olympique accompagne de manière pluridimensionnelle l'Association camerounaise de floorball et nous en sommes entièrement reconnaissantes. Nous attendons davantage, du moins les formations des arbitres, les formations des encadreurs. Qui dit merci en redemande encore.